Cher journal, j'apprends avec consternation que la nicotine posséderait des vertus préventives contre le coronavirus. Ils sont complètement baisés, les gars. Complètement baisés. Toujours rien sur l'effet protecteur du whisky. C'est-à-dire, il peut venir dans les poumons, le Covid, hein, il sera bien accueilli. Hein. Ah bah la route est déjà goudronnée. Ce matin, je me suis rendu toute confiance chez mon pharmacien pour me procurer une cartouche de Marlboro. Et parce que mon buraliste ne prend pas la carte vitale. Con. Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre que ce médicament de première nécessité n'était pas remboursé par la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous faites du pognon? Elle va être bien la campagne de vaccination du docteur Philippe Maurice. Fumer sauve la vie. Dès le 11 mai, la Gauloise sans filtre sera obligatoire en maternelle afin de prendre de l'avance. J'ai déjà mis mon fils à la gitane maïs. Ça remplace les céréales le matin. Il n'y a pas de petites économies en ce moment. Peut-être qu'il devrait faire fumer les vieux dans les EHPAD. Hein. Un patch, un suppôt à la chloroquine. Putain, je vais mieux. Je vais mieux là. Toujours vivant, toujours debout. Ça fera une belle chanson, ça.